Hi everybody, I am going to take now the train to Urumqi, the far western city of China. It will be a 2-day trip, so quite long. And the train leaves each day from Beijing West Railway Station at around 10 a.m. So it's important to be here 2 hours earlier. Another important thing is to buy some food, some beverage, because there is a restaurant in the train, but I read that it's quite expensive, so it's better to buy some food here in front of the station. There is a supermarket called Happy Hour Market, something like that, and you can buy food or beverage very, very cheap. So now I am going to cross the security control, and I will show you some photos, some images of the inside the train. So come on, let's go. Salut à nouveau, je suis dans le train à Urumqi. J'ai traversé les contrôles aussi, les contrôles intensifs de la police, c'est incroyable. Ils prennent une photo de votre passeport, aussi une photo de votre ticket, une photo de votre tête, in situ, là avant d'entrer au train, c'est incroyable. Mais c'est la Chine, donc on peut rien faire. Et maintenant, c'est un voyage de 33 heures, donc c'est un long voyage, et je vous répète d'acheter des boissons, des petits pains avant d'entrer, parce qu'ici il y a un resto, mais c'est très cher. Voilà, j'ai lu ça, peut-être que c'est pas le cas. Ça, je vais vous montrer pendant le voyage. Et un autre truc très important à vous dire, c'est qu'il y a 3 types de tickets. Et le premier ticket, c'est un ticket siège, donc je ne vous conseille pas. Ça coûte 30 euros, mais être assis pendant 2 jours, donc c'est pas très évident. Il y a le deuxième ticket, que c'est un hard sleeper, que c'est un lit un peu dur, et si la cabine c'est très petite. Donc ça coûte 70 euros, donc je ne vous conseille pas non plus, parce que si vous avez une grande valise, vous n'aurez pas la place pour ça. Et le troisième ticket, c'est le ticket soft sleeper où je suis maintenant. C'est une cabine beaucoup plus spacieuse, aussi les lits c'est très confortable. Et vous partagez ça avec 4 personnes, il y a 4 lits. Et pour l'instant, je suis avec une famille chinoise et ils sont très sympas. Ok, donc pendant le voyage, je vais vous montrer toutes les choses qui se trouvent dans le train. J'espère que vous allez aimer et on se voit à nouveau. Et mercredi après-midi lorsque je serai à Urumqi. Bye!
Hola a todos de nuevo, después de un largo viaje de casi 33 horas me encuentro en este momento en el Gran Bazar Internacional de Urumqi. Urumqi es una de las ciudades más al oeste de China. Me está mirando gente, así que me pone nervioso un poco, lo siento. Bueno, este bazar me ha llamado la atención, uno de los lugares que me llamó más la atención de todo el mundo. Se combina la cultura asiática y la cultura islámica en uno solo. Un local es asiático y el otro islámico. Hay de un lado música islámica, del otro lado música asiática. Es increíble, increíble, en verdad que vale la pena visitarlo. Estoy verdaderamente sorprendido. Y otro punto a remarcar que me olvidé de decirles es el viaje de Beijing a Urumqi. Cuando eres extranjero, la policía en cada parada intenta preguntarte para qué vienes, a dónde vas, te toma fotos a tu pasaporte, fotos contigo dentro del vagón para ver que has estado ahí. Es el único punto negativo que le pondría al viaje, sino aparte de eso, pues ha sido muy, muy, muy tranquilo, muy cómodo. Y nada, eso, mañana salgo para la frontera kazaka-china, es un viaje de 9 horas, también en tren. Y bueno, espero que todo salga bien porque es la parte un poquito más complicada porque no hay tanta información sobre eso en internet. Y nada, nos vemos pronto, cuídense, chao, chao, chao.